croque les yeux afin d'enlever le sommeil, pour enfin poser les pieds par terre. Bonjour,
Ça va très bien, merci. Bah écoutez, allez-y, prenons la route. Thank you.
le voit clair. On arrive à la fin du chemin là. Mais regarde, y'a un bonbon. Tu pourrais t'asseoir dessus. Il a quelque chose à te dire. Paul Boisclair. Bonjour Paul Boisclair, je suis là pour mesurer le poids de votre amour. Première question, à quelle heure êtes-vous triste? Je suis triste à 7 heures, mais le soir, quand j'ouvre le réfrigérateur, je pense à mon cœur. Forme du beurre que tu as laissé quand t'es parti. Je n'y ai pas touché. Il est maintenant pourri. Deuxième question. Où est-ce que vous êtes triste? Je dirais à l'épaule qui déprime d'être toute seule. La nuit ta tête lui manque. C'est mon épaule qui me l'a dit. Troisième question. Savez-vous quand vous ne serez plus triste? C'est difficile à dire. Mon amour est vraiment tout mouillé. Du coup, il est dur à porter, quoi. Il est très très lourd. Je dois en fait le sécher pour que ça aille mieux. Enfin, pour que je sois plus triste. Merci, Paul Boisclair. Le ciel est loin, vous ne trouvez pas? Tout à coup, les pieds de ce banc se mirent à grandir, jusqu'à très haut. Et Paul Boisclair se retrouva à 10 000 kilomètres du sol. C'est encore moi, Paul Boisclair. Voulez-vous revoir ce pourquoi vous êtes triste? Alors c'est parti. Est-ce que je peux descendre?
C'est la sonnette qui m'a sorti de ce mystérieux sommeil. J'ai mis du temps à émerger. J'ai fini par poser mes pieds sur la moquette pour aller ouvrir la porte. Après, j'ai traversé le couloir et là, c'était un peu plus froid. J'ai donc ouvert, mais je n'aurais pas cru te voir si tôt. Tu m'as dit que tu venais chercher ton beurre et puis t'as rigolé. Alors je suis allée le prendre dans le frigo et je te l'ai donné et puis t'es parti. Bien évidemment, elle n'avait pas appuyé sur la sonnette que pour le beurre. Elle est donc revenue quelques jours après, en comprenant que Paul Boisclair ne lui avait pas donné seulement du beurre, mais plutôt son cœur.